Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui, vous avez vu le titre de cette vidéo, si on commençait par les fondations. Donc ça va vraiment être une façon de revenir sur des points fondamentaux, parce que j'ai reçu énormément de courriers récemment de personnes qui ne savent pas par où commencer, comment commencer, qui perçoivent des limites dans leur vie dans différents domaines, et qui se sentent un petit peu noyés devant la tâche à accomplir. Donc je voulais faire cette vidéo pour exprimer un petit peu mon point de vue là-dessus et donner quelque part, proposer en tout cas une feuille de route un petit peu pour ces personnes qui se sentent désorientées. Vous verrez, ça mettra en perspective pas mal des vidéos qui sont passées dernièrement sur le site de Vivre Cru. Ça les mettra en cohérence donc. Et puis il y aura pas mal d'ajouts, donc à vous de voir ce qui vous intéresse plus particulièrement dans chacun des domaines. Donc si on commençait par les fondations, je voulais énoncer une fois pour toutes clairement les fondations, l'hypothèse de départ de l'hygiénisme auquel je me réfère toujours et toujours plus. Les principes de l'hygiénisme, ils ont été édictés par quelqu'un qui s'appelait Herbert Shelton, qui est quelqu'un qui a une existence assez extraordinaire. Je vous encourage à faire des recherches. C'est quand même un individu hors du commun. Et il a créé ce mot d'hygiénisme, ou en anglais on appelle ça natural hygiene. Donc c'est la même chose, si vous voyez ce terme en anglais, c'est la même chose qu'hygiénisme en français. C'est la traduction française, on va dire. Donc quel est le postulat de base? Alors j'espère ne pas trop trahir ses propos. Le postulat de base est que le corps ne peut être malade que d'une seule chose, globalement, que la maladie est une, qu'il y a différentes expressions, mais que la maladie est une, et cette maladie, c'est une toxémie, donc un excès de substances toxiques dans le corps, que le corps, ce faisant, est le seul à pouvoir nettoyer, se débarrasser de ces substances toxiques, il est le seul à pouvoir décider du rythme de cette détoxication ou détoxination. Il est le seul à l'organiser, il est le seul à la choisir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est lui donner les conditions adéquates de manière à ce que ces processus de nettoyage se réalisent. Le postulat implique aussi que finalement la plupart des maladies, comme on les appelle, sont en fait des tentatives désespérées du corps de se débarrasser de façon massive de toxines qui l'encombrent et qui lui empêchent le fonctionnement. Donc, ce faisant, supprimer les symptômes des maladies, c'est se supprimer, se couper l'herbe sous les pieds et supprimer une chance de pouvoir se guérir, puisque la maladie est une tentative du corps vers la guérison et que finalement l'état naturel du corps est l'état de pleine santé. Ça, c'est une notion essentielle de l'hygiénisme. L'état naturel du corps est l'état de pleine santé. Le corps tend naturellement à recouvrer la pleine santé si on lui en donne la possibilité par des conditions adéquates qu'on va voir ensuite. Le corps tend à aller vers la pleine santé à son rythme. Donc finalement, tout ce que nous pouvons faire, c'est l'accompagner. Donc ces conditions qui avaient été définies par Herbert Shelton, elles sont assez simples. Selon les écoles d'hygiénisme, il y en a 4, 5, 6, selon qu'on développe plus ou moins. Alors moi, je vais faire un peu plus que tout le monde, donc je vais dire 6. Donc ces conditions, il y a une vidéo qui peut renvoyer à ça, qui a été faite il y a quelques temps, qui s'appelait « Les piliers d'une santé globale ». Donc oui, parce que hygiénisme et santé globale, pour moi, c'est à peu près le même terme. Ça s'intéresse vraiment aux mêmes choses. Donc ces 5 piliers, eh bien ça va être le sommeil, ça va être l'exercice physique, la nourriture, l'exercice physique, l'eau, le soleil, et donc en dernier lieu, moi je me plais à ajouter la vie sociale, la vie spirituelle et l'expression artistique, d'autres dimensions de l'être humain qui me semblent aussi essentielles à inclure dans ces dimensions. Une notion qui est essentielle, c'est que nous sommes aussi faibles que notre point le plus faible. Ce que je veux dire par là, il y a une vidéo qui a été faite sur le maillon faible, si vous la cherchez, mais ce que je veux dire par là, c'est que
il ne sert à rien de surdévelopper les domaines dans lesquels on est déjà à notre optimum, ou en tout cas dans lesquels ça se passe très bien. Il faudrait que chacun arrive à cerner quel est le point sur lequel il a le plus de faiblesse et travailler en priorité là-dessus. Si notre point faible, c'est par exemple le sommeil, il s'agit avant tout de répondre à ce besoin. Si notre point faible, c'est par exemple la vie sociale, qu'on est complètement isolé, qu'on en souffre énormément, la première chose à faire, c'est pas en changeant d'alimentation qu'on va résoudre ce point. C'est en cherchant à avoir une vie sociale plus riche. Et bien sûr, on peut aussi réformer son alimentation, mais surtout ne pas perdre les priorités de vue. C'est ça qui me paraît essentiel. Donc vous avez vu, dans cette liste, j'ai mis le sommeil en priorité. J'ai mis sommeil, exercice, alimentation, eau, soleil. Alimentation, eau, soleil, je les mettrai même dans la même catégorie, vous allez comprendre pourquoi. Puis après, vie sociale, vie spirituelle et vie affective. Alors, pourquoi cet ordre de priorité si juste avant je vous ai parlé de maillon faible? Ça peut paraître un petit peu paradoxal. Eh bien, il y a une bonne raison pour cela. Deux bonnes raisons, en fait. C'est que la majorité des témoignages que je reçois me poussent à penser que le repos et le sommeil est le maillon faible de la plupart d'entre nous. Je m'y inclus parce qu'en ce moment, je suis en train de faire un gros travail sur moi-même pour m'octroyer assez de sommeil et pour arrêter de m'agiter dans tous les sens. C'est pas facile du tout, mais quand j'en vois les effets sur moi, c'est assez merveilleux, donc je m'accroche, je suis très courageux. Mais alors, donc, le sommeil, oui, semble être le maillon faible d'une grande majorité d'entre nous. C'est le maillon faible et il est d'autant plus déterminant pour diverses raisons. La première, c'est que la plupart de nos processus internes dépendent de notre énergie vitale. Et là, il y a un point qu'il me semble, j'ai déjà précisé, mais c'est la distinction entre énergie et carburant. Le carburant, c'est ce que nous apportent les aliments, les nourritures de toutes sortes. C'est ce que l'on va, entre guillemets, brûler. D'ailleurs, c'est de là que vient le concept de calories. Les calories, c'est ce que développe un appareil, une machine, quand elle brûle quelque chose. Donc, c'est un petit peu réducteur, mais voir que le carburant, notre nourriture, nous permet de brûler et de réaliser des processus biologiques, c'est très important. Donc le carburant, c'est la nourriture. Mais l'énergie, d'où nous vient-elle? Quand on pose cette question, souvent, il y a pas mal de personnes qui sont désemparées. Notre énergie, ça serait, si on compare, si on fait l'analogie avec une voiture, notre énergie, ça serait l'énergie électrique qui sort de la batterie, et le carburant, ben, c'est l'essence qu'on met dans le réservoir. Alors, sans étincelle au niveau de la batterie, le carburant ne sert à rien. Si on n'a que l'étincelle, au mieux on pourra allumer les phares, donc on sera dans un état comateux, mais à part ça, on ne pourra pas avancer. Donc on a besoin des deux, mais là déjà, même avec cette analogie de voiture, on voit se dessiner un ordre de priorité. Du carburant tout seul, il ne fait vraiment rien au niveau de votre voiture ne réagira même pas. Si on a la batterie, on va pouvoir écouter de la musique, on va pouvoir allumer les phares, on va pouvoir mettre les clignotants. Il y a un minimum qui se passe. Mais pour suivre cette analogie un petit peu plus loin, l'énergie, c'est ce qui nous sert avant tout à réaliser les processus majeurs de notre corps, dont notre corps a besoin au quotidien. Et les deux processus qui demandent le plus d'énergie au corps, c'est la digestion et la détoxination. Donc là, je vous renvoie à la vidéo qui parlait des rythmes des prises alimentaires avec les cycles chronobiologiques du corps, que vous trouverez sur ce site, qui explique bien le processus. Mais on ne peut pas accomplir l'un en même temps que l'autre parce qu'ils demandent beaucoup trop d'énergie. Et surtout, chacun d'entre eux est complètement dépendant de notre réserve énergétique. Ce que je veux dire par là, c'est que notre digestion sera bonne particulièrement si nous avons un bon stock d'énergie. Elle sera particulièrement mauvaise, pratiquement quoi que ce soit que l'on avale, si on n'a quasiment plus d'énergie. Et de même pour la détoxination demande de l'énergie. Donc, comment regagner de l'énergie? Ça paraît quand même un challenge primordial. Comment regonfler nos stocks d'énergie vitale? On a vu que ce n'était pas en mangeant. Parce que sinon, on aurait plein d'énergie après un gros repas dans un restaurant. Or, ce n'est pas le cas.
Après un gros repas dans le restaurant, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de dormir. Eh bien oui, l'énergie, nous la remplaçons, nous l'accumulons uniquement en dormant, par le sommeil. Attention, on reviendra un petit peu plus tard sur cette notion de repos, mais c'est par le sommeil qu'on accumule cette énergie. Et cette énergie est nécessaire, est à la base de tous nos processus vitaux. Ce que je veux dire par là, c'est que si par hasard nous avons des réserves d'énergie trop faibles, vouloir essayer de résoudre les autres points, c'est presque en vain. Ça serait comme partir courir en marathon avec un sac de ciment dans le dos. Il faut d'abord s'occuper avant tout de résoudre ce problème de l'énergie, de combler nos stocks d'énergie vitale. C'est en cela que l'hygiénisme insiste autant sur le jeûne, par exemple. Parce que quand on se met en état de jeûne, on se repose énormément, un repos sensoriel, un repos physique, un repos digestif. Donc il y a le moins de dépenses possibles d'énergie. Donc on accumule au travers du sommeil un maximum d'énergie. Et donc j'insiste encore pour dire à quel point cette clé du sommeil est essentielle en prenant une nouvelle analogie qu'on va emprunter à la construction, à la maçonnerie. Imaginons qu'on veuille construire un mur. Symboliquement, le mur, ça va être le corps humain. Donc pour construire ce mur, nous avons besoin de briques. Les briques, ça va être les aliments. Nous avons besoin de ciment. Nous avons besoin de sable, d'eau et d'une bonne bétonnière pour brasser le tout. Alors dans notre analogie, les briques, ça va être les différentes nourritures que l'on peut recevoir, le carburant. Le ciment, le ciment de tout ça, ça va être le sommeil. L'eau va représenter l'eau. Et le sable va représenter, on va dire, le soleil, simplement. Oh non, alors l'eau va représenter l'eau et le soleil. Et le sable, ça va être notre vie sociale. Comme ça, tous ces petits grains de sable qui se côtoient les uns les autres, c'est nous et nos congénères. Et puis la bétonnière. La bétonnière, c'est l'exercice physique, c'est ce qui brasse tout ça. Si on a des briques qui arrivent sur le chantier, les briques s'accumulent, et puis on n'a pas de ciment pour les monter. On n'a pas de ciment, ou on n'a pas de bétonnière pour brasser ce ciment. Que va-t-il se passer? Eh bien, à ce moment-là, les briques vont commencer à s'accumuler, à encombrer le chantier de plus en plus en plus. Et si on n'a toujours pas de ciment, premièrement, on n'aura pas de mur. Deuxièmement, on aura un chantier qui est complètement saturé par les briques qui se sont accumulées et plus rien ne pourra fonctionner. C'est à peu près ce qui se passe au niveau du corps. Sans ciment, sans bétonnière d'exercice physique, sans eau, sans soleil, sans vie sociale adaptée, s'intéresser à l'alimentation, c'est vouloir résoudre un problème avant les autres alors qu'il n'y a pas lieu. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de s'intéresser à l'alimentation, mais nous nous intéressons tous à l'alimentation, peut-être même de façon un petit peu hypertrophiée, et on va voir très rapidement peut-être pourquoi, une proposition pour laquelle peut-être que l'alimentation nous attire tant. Puisque nous venons de voir que le sommeil était la seule et unique façon, le repos et le sommeil étaient la seule et unique façon de regagner de l'énergie vitale, peut-être que la première question, la question la plus cruciale, c'est comment favoriser ce gain d'énergie vitale, quelles sont les conditions optimales pour le repos. Et je pense à ça particulièrement parce que plusieurs personnes m'ont parlé d'un état lymphatique, d'un état léthargique chez elles. Elles me disaient finalement, tu me conseilles de me reposer, mais je me repose déjà bien assez, je passe mes journées couchées, à ne pas bouger, dans un fauteuil. Le repos, le sommeil n'a rien à voir avec la léthargie. Le but du repos, c'est d'accumuler l'énergie vitale de manière à ensuite avoir une énergie débordante pendant la journée. Je dirais même qu'au contraire, les gens, les personnes qui souffrent de fatigue chronique sont les premières à avoir besoin de repos, mais de vrai repos physiologique. Donc le vrai repos physiologique, c'est déjà sans réveil. C'est aussi dans un environnement calme, dans lequel il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de perturbation, avec un air qui est bien brassé, un air qui est renouvelé, qui est frais si possible. L'idéal, bien sûr, c'est un air qui est non pollué, c'est en dehors de la ville au maximum. Si vous pouvez être au bord de la mer, c'est excellent, l'air marin est excellent pour la récupération. Vous verrez d'ailleurs que votre sommeil s'en trouvera nettement amélioré. Au bord de la mer ou dans une forêt, en montagne,
si vraiment vous avez des gros soucis de santé, je pense qu'il faut vraiment un moment s'y mettre franchement. Et donc s'octroyer, se prendre une semaine, deux semaines, trois semaines, je sais que ce n'est pas toujours très facile par rapport aux obligations que l'on a, mais il faut bien peut-être réaliser que ce sont ces obligations elles-mêmes qui nous mettent dans cet état-là. Travailler comme on travaille, avoir les responsabilités et les sursollicitations que l'on a au quotidien, c'est tout à fait antinaturel et c'est ça qui nous rend malade. Donc si on veut vraiment dépasser cet état, il y a un moment, il faut vraiment changer de paradigme, changer de vue sur ce qu'est notre vie et sur ce que l'on peut s'octroyer. Donc les conditions de sommeil optimales, c'est surtout le moins de sollicitations possible, un air pur, un environnement pur et calme, pas de réveil. Un bon coup quand même pour les gens qui ne veulent pas d'un seul coup partir au sommet d'une montagne, qui ne peuvent pas se le permettre, c'est d'arrêter les sollicitations le soir. La lumière électrique est une sollicitation artificielle extrême. Internet, ça va de soi. La télé, la radio, ça nous excite, ça nous énerve, ça ne nous met pas en état de repos. Nous verrons plus loin dans cette vidéo comment favoriser le repos par l'alimentation aussi. Mais avant tout, peut-être une petite expérience que je propose à des amis de temps en temps, c'est de temps en temps de couper leur compteur d'électricité à une certaine heure, par exemple à 8 heures du soir, et voir ce qui se passe. Vous allumez des bougies. Si vous avez des enfants, vous allez voir, ils vont adorer. Ils adorent ce genre d'expérience, ils s'amusent comme des petits fous. Et vous coupez tout. Et vous allez voir. Vous allez voir la fatigue s'abattre sur vous à une vitesse colossale. C'est incroyable. Moi, je le vois parce que particulièrement en ce moment, je vis sans électricité. Et autant vous dire qu'à 9h, 9h15 le soir, je suis couché. Je dors. Je dors et je me réveille le matin vers les 6h, 6h et quelques quand le soleil se lève. Ça me fait quand même des nuits de presque 9 heures de sommeil et je peux vous dire que la récupération est excellente. Vraiment excellente. Donc voilà, petite expérience pour sentir votre vrai niveau de fatigue et votre vraie nécessité en sommeil, c'est peut-être de faire cette expérience. Dans tous les cas, c'est de privilégier l'endormissement tôt, parce que c'est à ce moment-là, avant minuit, que l'on récupère le mieux et il est essentiel de se coucher. Pour moi, se coucher après 10 heures, c'est vraiment, surtout si on est fatigué, si on a des problèmes de fatigue chronique, c'est vraiment aller contre la santé et contre les principes même de la santé. Je sais aussi que pour les personnes qui ont de la fatigue chronique, c'est très difficile parce que souvent elles sont prises pour des hypochondriaques. Des gens qui inventent, tout le monde leur dit « mais tu ne fais rien de tes jours, tu te traînes ». Alors peut-être, moi je comprends exactement leurs problèmes pour avoir échangé avec énormément de personnes. Peut-être qu'en fait, elles se traînent tous les jours parce que jamais elles ne se reposent. Jamais elles ne se reposent. Donc le mieux, le meilleur conseil que je pourrais donner avec mon cœur, ça serait que ces personnes s'octroient, enfin, fassent une coupure, coupure complète, coupure de leur contexte quotidien, familial. Elles se trouvent un ami, une amie qui habite dans un bel endroit, chez qui elles peuvent aller se reposer, avec qui elles auront quand même du contact pour ne pas être toutes seules. Mais ne pas amener internet, ne pas amener le téléphone portable, c'est pas grave, vous verrez les vidéos à votre retour, je vous les garderai au chaud, il n'y a pas de problème. Mais surtout, débrancher de toutes ces sursollicitations que nous impose la vie moderne et qui vont vraiment à contresens de toute notion de repos. Donc c'est une notion essentielle pour moi, commencer, privilégier le repos en priorité, parce qu'il est à la base, c'est l'une de nos fondations même. De toute notre santé, tous nos processus biologiques dépendent du repos, s'octroyer du vrai repos, ressentir le vrai sommeil, c'est essentiel, je crois que j'aurais assez insisté. Vous avez vu lors de cette première partie que je mettais le sommeil en premier, l'exercice physique en second. Et ensuite, je mettais dans un même lot ce que j'appelle les nourritures. Donc l'alimentation en tant que telle, l'alimentation telle qu'elle est connue d'habitude, l'eau et le soleil. Alors pourquoi avoir rejeté aussi l'alimentation aussi loin ? Vous allez me dire, c'est pourquoi avoir mis l'exercice physique même avant l'alimentation ? Eh bien, c'est parce que je pense qu'il y a aussi une autre raison. Pourquoi est-ce que nous tous, je suis le premier à le faire, nous intéressons particulièrement à l'alimentation et avons tant de mal à donner de l'importance aux autres processus que sont le repos adapté et l'exercice physique. Alors, je vais vous proposer une hypothèse qui est la mienne,
c'est que c'est très satisfaisant pour nous de nous intéresser à l'alimentation, car ce sont cet intérêt pour l'alimentation, cette recherche d'informations frénétiques, ces livres qu'on lit, ces pages internet qu'on épluche, ces quantités de nourriture que l'on mesure, ces menus que l'on prévoit, tout cela, ça nourrit nos processus mentaux. Et notre mental est très très fort et il adore être nourri. Il a toujours plus d'appétit et il faudrait que l'on le nourrisse sans cesse. Au contraire, ce qui a trait au sommeil, à l'exercice physique, ça n'a rien à voir avec le mental. Ça n'a rien à voir, c'est du pur corporel, c'est du pur sensoriel, c'est du pur sensitif. Ça a à voir non plus avec le mental, mais avec l'être qui est au fond de nous, et que nous écoutons peut-être trop peu, beaucoup trop peu. Parce qu'il me semble qu'on se trompe souvent quand on cherche la guérison, quand on cherche la guérison dans la nourriture, quand on cherche la guérison dans des tas de facteurs intérieurs. Il me semble que l'unique guérison qui nous est demandée, en tout cas qui m'est demandée, j'espère que ça résonnera en vous, c'est pas là qu'elle se passe, c'est là, attendez, je vais dézoomer, histoire que vous voyez bien, c'est là qu'elle se passe, c'est là, au niveau du cœur. C'est cette guérison qui nous est demandée, hop, je reprends le zoom, voilà, c'est cette guérison qui nous est demandée essentiellement. Et il me semble que de trop s'intéresser à l'alimentation physique en nourrissant nos processus mentaux, ça nous éloigne d'autant plus de cette notion-là et de cette nécessité absolue qu'est finalement de nourrir notre amour, de s'ouvrir à cet amour qui nous baigne tous. J'avais un petit peu ébauché le thème de manière peut-être un petit peu maladroite, j'avais fait ce que je pouvais dans une vidéo très récente qui parlait de la fonction de l'amour. Mais réellement, notre être, ce qui est vraiment notre être, qui passe aussi par le corps, notre être résonne à cet amour uniquement. C'est de cela dont il a besoin. Et accéder à cette forme d'amour, c'est aussi accéder à l'amour de soi-même et au respect de son corps. Respecter son corps, c'est donc en premier lieu lui donner le sommeil, le repos et l'exercice adapté. C'est avant tout ça. Donc attention à ne pas nous perdre dans des réflexions, des comparaisons, des processus mentaux liés à l'alimentation. Vous pouvez me dire, ça pourrait exister aussi avec l'exercice physique. Mais c'est quand même plus rare. On a du mal à rester des heures à étudier finalement des postures de yoga sans soi-même les pratiquer. Alors là, vraiment, ça tient de la lourde pathologie mentale. Donc je ne connais pas de cas comme ça. Et s'intéresser au sommeil dans l'absolu de manière purement mentale, c'est aussi très rare. Le sommeil, ça s'expérimente. L'exercice physique, ça s'expérimente. Alors l'exercice physique, pour les personnes qui sont en état de fatigue chronique, elles vont me dire, c'est très difficile. Eh bien non, il suffit d'aller marcher. Aller marcher un tout petit peu. Il y a un médecin hygiéniste dont le nom est assez connu actuellement, qui s'appelle Douglas Graham, qui m'inspire énormément, je ne vous l'ai pas caché. Et qui dit une phrase que j'aime beaucoup, il dit « En fait, je ne mange pas tous les jours, je ne mange que les jours où je fais de l'exercice physique. » Et en pratique, il fait de l'exercice physique tous les jours, donc il mange tous les jours. Mais il y a aussi quelque chose d'essentiel là-dedans, c'est que du carburant, nous en avons besoin si nous nous dépensons. Donc, il dit bien aussi une phrase que j'aime bien, c'est « aller gagner son repas », c'est-à-dire passer de l'ordinateur au fait de manger, ça paraît complètement anti-physiologique. Ne serait-ce que de se couper pendant 10 minutes, d'aller faire un petit sprint autour du pâté de maison si on habite dans un lotissement, aller marcher un petit peu pendant 10 minutes, un quart d'heure, s'oxygéner, faire quelques étirements, bouger un petit peu, c'est pas grand-chose, mais ça change tout. Ça va optimiser votre digestion, ça va clarifier le mental, on va sortir un petit peu de cette bulle de sur-sollicitation qui est Internet et qu'est l'ordinateur, ou que sont nos sollicitations, nos préoccupations quotidiennes. Et donc faire un petit peu d'exercice avant son repas, pour entre guillemets gagner son repas, c'est essentiel. Donc la guérison se fait avant tout au niveau du cœur. Pour la favoriser aussi, le contact avec les autres, la vie sociale, c'est là que s'exprime vraiment tout notre amour. Plusieurs fois au cours de ces vidéos et dans les commentaires, j'ai parlé de séparation. Je parlais de séparation, ça a interpellé certaines personnes qui ont essayé de me demander d'expliciter,
par écrit, j'avais un petit peu de mal. Donc cette séparation, elle est là aussi au cœur du problème, cette vraie guérison qui nous est demandée. Pour moi, la séparation que j'ose mettre en relation avec la notion biblique de péché originel, c'est la prépondérance du mental sur l'être, mais aussi l'être en tant que dimension physique. C'est finalement la séparation qu'il existe en nous, dans l'idée que par notre mental, par notre vouloir, par notre seule volonté, nous pouvons nous astreindre de toutes les lois biologiques, physiologiques qui nous gouvernent, que l'on peut nier les besoins de son corps à ce point que l'on peut les dépasser, et pour moi c'est extrêmement dangereux comme forme de pensée. Je revendique moi personnellement les termes d'obéissance, de soumission, parce que se soumettre aux lois biologiques de la vie, pour moi c'est ma plus grande joie. Il y a quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Épicure, qui disait qu'au fond, notre seule liberté, c'est d'acquiescer à ce qui est. Très fort ça comme phrase, je trouve. Notre seule liberté revient à dire oui à ce qui est, à ce que nous sommes au fond. D'ailleurs, il disait aussi bien, deviens ce que tu es. Tu es à la base, tu es l'être, il est. Même si nous l'oublions, même si nous fermons les volets, il est là. Et la séparation, c'est cette fermeture des volets. C'est ce que moi j'ose appeler le péché originel, la prépondérance du mental, l'idée que l'on peut subvenir à ses propres besoins et que l'on peut s'affranchir du corps, de ses nécessités, de ses besoins, de son écoute, de son observation. Je crois que c'est totalement impossible, que la maladie elle vient aussi et avant tout en grande partie de là, que ce n'est pas inéluctable, qu'on peut guérir cette séparation, on peut vraiment la guérir, revenir dans son corps. Par des pratiques adaptées, on peut revenir, et je crois que le corps a vraiment une capacité à nous réaccepter, à nous réaccueillir. C'est pas parce qu'on l'a oublié qu'il a disparu, le corps. Le corps, il est toujours là. Il est à ce point là que parfois on veut tellement l'oublier que malgré nous, il se rappelle à nous. On n'est pas que des cerveaux, nous ne sommes pas que des esprits. Nous sommes avant tout, puisque l'on parle de fondation, nous sommes avant tout quelque chose de subtil incarné dans un corps, dans une matérialité. C'est là quand même notre expérience actuelle. Donc c'est incarné dans un corps, et ce corps, le nier, c'est courir droit à la banqueroute. Il y a une autre parabole dans la Bible, alors là je suis très parti, très biblique, j'espère qu'on ne m'en voudra pas de ce parallèle, mais c'est l'histoire de ce fils qui quitte la maison de son père et qui s'en va parcourir le vaste monde et qui revient finalement ruiné. Et son père l'accueille sans lui faire jamais de reproches. Alors même si ça hérisse certaines personnes, je me permettrai de faire un parallèle. Moi je peux aussi l'interpréter en disant que finalement notre corps, on a beau l'oublier, il pardonne beaucoup. Il pardonne beaucoup, il nous laisse revenir à lui, revenir à ses besoins, mais il faut commencer à s'en occuper vraiment. Et alors là, c'est une lutte contre nous-mêmes qu'il va falloir faire. Enfin, pas nous-mêmes. Contre notre mental, parce que notre mental ne veut surtout pas retourner dans le corps, c'est très difficile pour lui, il veut être nourri, mais il ne veut pas retourner dans le corps. Notre mental, c'est notre petit ego aussi, c'est la partie souffrante, c'est la partie blessée de nous. Notre corps n'est pas souffrant en tant que tel, notre corps n'est pas blessé, notre corps ne se vexe pas. Notre biologie, notre physiologie, notre être ne se vexe pas. Donc il va falloir partir en guerre contre soi-même un jour ou l'autre, d'une certaine manière. Et là encore un parallèle, mais dans les traditions islamiques, il y a quelque chose qu'on appelle le djihad. Le djihad, c'est la guerre sainte, et malheureusement maintenant c'est souvent interprété de manière extérieure, mais au sens mystique, le djihad, c'est la guerre sainte contre soi-même, contre son propre ego, contre ses processus mentaux, pour revenir à l'être. Donc vous voyez que dans toutes ces traditions, il y a quand même des pistes, des petits cailloux qui étaient semés, pour montrer la bonne direction à suivre, la bonne direction vers la vraie guérison. Je crois qu'actuellement, on est saturé d'informations. Des informations, on en a. Ce n'est pas des informations qu'il nous faut, c'est des inspirations. C'est des inspirations, des envies de nous dépasser. Des gens, des personnes, celles qui vous inspirent, sont là pour vous donner envie de vous dépasser, d'aller au-delà de vous-même, de donner le meilleur de vous-même. Et le meilleur de vous-même, c'est exactement l'être, c'est le meilleur de nous-mêmes, c'est l'être qui réside en nous, qui a sa fonction dans cet univers, qui sait exactement ce qu'il doit faire,
et qui est rayonnant quand il est dans cette fonction. Et ça, vraiment, je vous encourage, je nous encourage tous à revenir vers cet être, à guérir cette séparation. Alors, comment faire ? Ben, d'abord, en donnant au corps ce dont il a besoin, sommeil et exercice. En essayant de calmer les processus mentaux, il y a énormément d'écoles qui permettent de le faire. Ça peut être une voie spirituelle, ça peut être une voie physique. Je pense qu'on ne peut pas s'en astreindre. Le yoga, la méditation, chacun résonnera au sens de raisonner, vibrer, R-E, résonnera à ce qui est juste pour lui. Et le but, c'est d'arrêter de raisonner, R-A-I, d'arrêter les processus mentaux et de réellement réaliser cette guérison. C'est ce que je nous souhaite à tous, vraiment. Et c'est un point, je pense, qu'il ne faut pas du tout.